On se casse, les fios? On se cache? Allez, on se casse. Allez, on se casse. Merde. J'en ai marre. Bien sûr, on rigole, les potes. Bah non, c'est pas trop drôle. Oui, c'est pas drôle, mais un petit peu, regarde, tu rigoles. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bon, yo, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo avec les chiens, avec Baba, avec... Pico, il est où? Pickwick, il est derrière moi. Il est là, Pico, vous le voyez. Simplement, pour ceux qui nous suivent depuis un petit moment, ça fait un an qu'on a cette maison. Trois mois, quatre mois. Et du coup, avec Baba, on a pris la décision qu'on allait déménager. On va tout vous expliquer, mais juste avant que cette vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner. Tout simplement, les potes, si on dit qu'on en a marre ou quoi que ce soit, si on dit que on... Je sais pas comment expliquer, mais c'est pas que la maison, on l'aime pas ou quoi. Celle qu'on a aujourd'hui, c'est juste qu'il s'est passé tellement de choses pour ceux qui nous suivent depuis un moment. Il s'est passé tellement de choses ici, il y a eu tellement de trucs et il y en a encore tous les jours, même si on vous le raconte pas sur la chaîne, qu'aujourd'hui on arrive à un point où vraiment on en a vraiment trop marre. Du coup voilà, on a hésité longuement à vous faire cette vidéo parce que ça fait des semaines et des semaines qu'on est en recherche d'une autre maison. Alors ça va peut-être vous surprendre, mais c'était ça aussi un de nos projets entre guillemets. On vous en avait parlé vite fait sur Twitch, mais on vous avait pas dit ce que c'était. Mais ça fait partie de nos projets de déménager parce que bah, même si cette maison on a eu un énorme coup de cœur le jour où on a emménagé ici, c'est une location au cas où, je tiens à préciser parce qu'il y en a plein qui se demandaient si elle était à nous, mais non, elle est pas à nous. On part quand on veut. Le seul truc, c'est que voilà, depuis un an, c'est un peu, je sais pas, depuis en gros, on a subi en fait. Depuis qu'on a déménagé ici et on pensait vraiment qu'en venant vivre ici, ça allait être beaucoup mieux pour nous parce qu'avant, on était en appartement pour ceux qui nous suivent depuis longtemps. Ça a été mieux. Et ça a été mieux, même pour les chiens et pour nous aussi, mais on est arrivé à saturation de cette maison, même si ouais, bah, on l'aime toujours autant, mais en fait, c'est l'environnement qu'il y a autour qui nous sort par les yeux. Et clairement, on n'a plus envie de se prendre la tête, on a envie de se casser d'ici. On vous le dit honnêtement, après, on est conscient de la chance qu'on a d'avoir cette maison-là. Ah non, mais vous ne me prenez pas, c'est ce que je disais aussi. Hein. La maison, on l'aime bien. Hein. Oui, on l'aime bien. C'est ce qu'il y a autour, en fait, qui... Et puis en plus de ça... Bref, pour ceux qui suivent et pour ceux qui savent, ils savent de quoi on parle, mais genre... Voilà, il y a eu énormément de choses qui se sont passées. On va pas vous résumer tout ce qui s'est passé, mais il y en a eu énormément. Et en plus de ça, on s'est regardé, là, il y a un quart d'heure, on s'est dit, il faut qu'on leur parle parce qu'on s'ennuie. Mais c'est hyper grave, vraiment, on se tapait des barres et qu'on se disait, mais... On se fait chier, franchement, on se fait chier, mais c'est la vérité, c'est que on n'arrive plus à se sentir chez nous et c'est triste, hein, mais ça, c'est la vie qui veut ça, c'est que cette dernière année, ça nous a pas permis de nous sentir chez nous à l'aise. En fait, depuis qu'on est arrivé ici, il s'est passé que des bricoles en fait. Voilà. Il y a vraiment que des bricoles pour ceux qui ont suivi vraiment quoi. Vous le savez, de toute façon, vous le savez à peu près tous sur la chaîne. Peut-être qu'il y en a qui vont regarder cette vidéo qui sont pas abonnés ou qui regardent pas toutes les vidéos quoi, mais vous le savez tous. On a eu que des bricoles, les gars. Alors, il y en a peut-être qui vont nous dire, ouais, vous êtes ingrats, entre parenthèses. Peut-être qu'on paraît ingrat ou quoi que ce soit, mais je peux vous assurer et je peux vous le dire honnêtement, il s'est passé tellement de choses ici et on l'a tellement aussi, on s'en est tellement aussi caché sur la chaîne, même si certaines fois on vous avait fait des vidéos ou quoi. Mais beaucoup, beaucoup de fois aussi, on s'est tué. Enfin, ouais, ça se dit, ça si, on s'est tué. Ouais. En gros, on n'a rien dit parce que tout simplement, genre. Bah, c'est donner de l'importance ouais, voilà. À ceux qui nous faisaient du mal, quoi. Exactement. Entre guillemets. Et franchement, je vous le dis honnêtement, personne ne mérite ce qui nous est arrivé cette année. Même si, bon voilà, je sais qu'il y a plus grave dans la vie, mais c'est juste que accumuler. Exactement, en fait, au tous final, les jours, ouais. Voilà, on se sent plus chez nous et on se fait chier, on a envie de partir. Et moi, j'ai toujours dit à Roro, il le sait, et j'adore les déménagements. Alors, c'est pas pour ça que j'ai envie de partir, mais quand même un petit peu, parce que j'aime bien changer d'endroit. Et puis là, je me rends compte que c'est pas un endroit qui est fait pour nous, c'est pas un endroit qui est fait pour moi, c'est pas un endroit qui est fait pour les chiens, c'est pas un endroit qui est fait pour une vie de famille éventuelle. Tu vois, donc même on s'est dit parce que tous ceux qui nous posent la question, ouais, c'est pour quand le bébé, honnêtement, je vous le dis, ce sera pas ici, mais clairement pas, ce sera jamais ici, vu comment nous on a subi, vu comment nos chiens ont subi aussi, parce que voilà, il aurait pu leur arriver des drames aussi à eux, et heureusement, ça a été évité, même si c'était pas loin. Mais imaginez, Pico qui vomit du sang, oui, voilà, donc bon, Pico qui vomit du sang, quoi, parce qu'il y a des petits cons qui viennent les emmerder la nuit, quoi, bref. Voilà, donc du coup on se dit, si ça arrive à nos chiens, qu'est-ce qui va arriver à nos gosses en fait. Donc bon, pour le projet bébé, comme certains demandent, même si on fait pas en fonction de vous, mais je vous le dis honnêtement, on fera surtout pas en fonction de cette maison là, ça c'est sûr et certain, on ne fera jamais un gosse ici, c'est hors de question, j'ai pas envie qu'il vive dans un environnement pareil, même si
comme on vous le dit, il y a bien pire, on est très bien, on a un toit sur la, on a un toit sur la tête, je veux bien, mais là aujourd'hui on n'est plus heureux ici, on s'emmerde, on a envie de partir et voilà. Au moins c'est dit, putain, mais je vous jure, je suis soulagée d'un poids de vous en avoir parlé, parce que ça fait des semaines, voire plusieurs mois qu'on est en recherche. Pour l'instant on a trouvé quelques trucs, mais on peut pas vous en parler pour le moment. Du coup voilà, ça se fera quand ça se fera, ne nous mettez pas la pression, ouais c'est quand vous déménagez machin, c'est juste que là on tenait à vous tenir au courant parce que bah, c'est important, ça, ouais, bah vous faites partie de la chaîne aussi, vous avez le droit d'être au courant de ce qui se passe aussi, c'est quelque chose dont on... Même si explicitement on n'explique pas... Voilà ouais, on vous dit pas clairement. Après je pense qu'il y en a qui peuvent comprendre ou quoi, à chaque fois qu'on fait une vidéo entre parenthèses sur ce qui se passe ici, genre vous êtes quand même nombreux à nous dire ouais machin c'est pas bien, vous leur donnez de l'importance. Faut savoir qu'en fait c'est un tout. Genre dans le sens où, exemple de con, vous savez ce qui s'était passé ou quoi pendant les lives ou quoi. Mais hors live entre parenthèses, puisque ceux qui font ça pendant les lives, on est d'accord qu'ils font ça pour se faire remarquer. Mais hors live aussi, il y en a aussi. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui se passent, les gars, vous pouvez même pas vous imaginer. Et en fait, j'imaginais pas en étant adulte, en étant arrivé à l'âge adulte, que les gens étaient comme ça en fait. Genre vraiment, genre, ouais. Qui pouvaient pas respecter, on va dire, le... notre vie privée, ouais. Tout le bordel quoi, enfin on va pas vous faire un dessin mais ouais, bien sûr. Voilà, là c'est pourtant il s'est pas passé d'événement spécial là ces derniers jours ou quoi pour qu'on pète un câble hein. C'est juste que ça fait un moment qu'on y réfléchit, ça fait un moment que on pète pas un câble. C'est juste une je sais pas comment vous expliquer, on a réalisé sur le long terme en fait que bah, c'était pas fait pour nous cet endroit là. Et tant mieux, j'ai envie de te dire, c'est que c'était pas fait pour nous, donc ouais, on partira le jour où on pourra partir. Oh, il est trop mignon, ouais. Il est trop chou, je le regarde depuis tout à l'heure. Je sais pas si vous le voyez là, il est trop mimes. Du coup voilà, la boucle est bouclée, voilà. L'affaire est classée, on vous en a parlé. J'espère que vous comprenez un peu, même si vous n'avez pas tous les éléments de l'histoire, mais quand vous vivez dans un endroit, partez de ce principe-là, quand vous vivez dans un endroit où en gros, genre continuellement et ponctuellement, enfin je sais pas si on peut appeler ça ponctuellement, si, mais ça, si, hein. En gros tout le temps, t'as des gens qui viennent te faire chier, t'harceler, t'observer, bref, hein, j'en passe. Que tu dois appeler les flics à longueur de journée parce que tu te fais emmerder, parce que ça c'est aussi la vérité et ouais. On vous le dit pas assez, mais ça a déjà été fait plusieurs fois. Il y a eu je ne sais combien de plaintes qui ont été déposées, mais bon, ça reste encore privé. Mais voilà, même s'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont apprécié cette maison, aujourd'hui on a envie d'autres choses. On a envie de se barrer et on le fera. Voilà, voilà c'est tout, au moins vous êtes au courant. On a... putain, ça fait du bien. Je te jure d'en parler, ça me libère d'un poids, mais vraiment, parce que j'avais pas envie de vous cacher ça. Et non, non, ouais, ça y est. J'avais pas envie de vous cacher ça, et en même temps, ouais. On vous cachait ça, parce que bah, on avait pas envie de se faire emmerder pendant ce temps-là, tu vois. Là, pour le moment, il n'y a rien de fait, mais voilà, au moins c'est dit. Bref, on espère que cette vidéo vous aura plu, si elle doit plaire à quelqu'un. Je sais pas si ça doit plaire à quelqu'un, mais au moins l'annonce est faite. En tout cas, on se retrouve ce soir pour un live, demain pour une nouvelle vidéo et un nouveau live. Peace.